Qu'est-ce que sont jolies les filles de M. Sarkozy? La 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 la. Qu'est-ce que sont jolies les filles d'Enrico Macias? Bah, c'est de lui qu'on va parler. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Faut pas s'exciter. On peut pas s'exciter sur Enrico Macias. On voit Enrico Macias. Il est ruiné, escroqué. Ben oui, c'est pas de ma faute, hein. Ni la vôtre, hein. Ben oui, hein. Qu'est-ce qu'elles sont jolies, bye 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 bye, bye 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 bye. C'est la chronique d'Enrico Macias, mes chéris. Oh, qu'ils sont méchants, les gens. Oh, il n'a rien fait à personne, ton petit chéri. Il aime l'Israël. Oh, ben oui, oui, il aime l'Israël. Mais il n'aime pas la haine. Non, 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 non. Ils sont méchants. Mais il est antisémite. Attends, comment on dit? Antisémite. Oh, antisémite. Ça fait limite, limite. Voilà, antisémite. Mais oui. Eh bien, oui, ben. Mais je sais pas, hein. Ben oui, ben il aime pas les Palestiniens. Il faudrait que la Palestine, elle est à dégager, elle est tout ça dégagé, mais voilà, ils prennent la Palestine pour faire l'Israël. Oui, tu as compris, hein? Moi, j'ai rien compris. Depuis 1948 ou 47, je sais plus, ouf, ça dure au plus. Puis il y en a marre. Oh, mais il y en a marre, c'est pas possible, de sa tronche, bon bah, ouf. Je l'aimais bien comme chanteur, hein. Oui, il était bien, hein. Puis il s'est fait escroquer, c'est pas de ma faute, ni à vous, ni, bah oui, on va pleurer encore, hein. On va pleurer avec la villa et tout, il a gagné beaucoup de sous, bah oui, pour petit chéri, hein. Oui, c'est les fans de Hakim Leroy qui envoient des messages. Il a envoyé des messages pour Hakim Leroy. Mais oui, eh ben, il n'a pas été très intelligent. Ben oui. Sur ce coup-là, je trouve qu'il veut emprunter une somme et on lui propose cette fois plus. Il ne faut pas être sorti d'avoir ou de yal pour comprendre qu'il a anguille sous roche. Sachant plus une bonne partie de la somme prêtée est placée. Et donc, on va dire pas facilement touchable, surtout impossible à vérifier, la banque pouvant dire ce qu'elle veut et la somme débloquée est bien sûr bien supérieure au prix de la maison. Ça sent l'escroquerie. Mais oui, Enrico chéri, il faut faire attention. Enfin, mais écoute, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tes enfants, ils sont pas, ils t'ont rien dit, ils n'ont pas regardé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Enrico Macias, ben, il arrive maintenant, il se plaint. Hey. Ah ben c'est injuste, ah ben oui, mais il est dans la misère maintenant, Enrico Macias. Ben, hey, oui, alors je vais aller chanter pour lui, et comme ça, et oui, c'est la misère des misères. Hein. Ben oui, mais il s'est fait arnaquer, l'anarqueur, il s'est fait arnaquer. Il doit de l'argent à l'État et invente n'importe quoi pour pas payer. Ah oui. On va le plaindre, mais oui, on va le plaindre, mais oui, mais ils sont toujours en train de pleurer, ils n'ont pas d'argent et tout. C'est comme Francis Lalanne, il va faire ses dédicaces à deux balles à la Forêt des Livres, il est en train de dédicacer. Allez, il faut acheter mon livre, mais oui, mais il est dans la merde, hein. Mais oui, ça veut vivre au-dessus de leurs moyens, oui, c'est ce que je veux dire. Mais moi, j'ai qu'à en faire pareil, je veux faire pareil, vivre au-dessus de mes moyens. Mais c'est comme ça la vie, hein. Ben oui, ils n'ont jamais compte. Si j'ai besoin de 10 000 euros, je ne vois pas pourquoi j'accepterais un crédit de 100 000 euros. Bon, alors, on est dans mes 100 000 euros. Il faut savoir être raisonnable dans la vie, quand même, mes petits chéris. Il ne faut pas être trop gourmand. Ben, moi, je suis gourmand, j'adore l'argent. Comme disait Marilyn Monroe. Ben, qu'est-ce qu'elle disait Marilyn Monroe? Ben oui. Ou non, c'était Elizabeth Taylor. C'était Elizabeth Taylor et elle disait un homme sans argent, c'est du temps gaspillé. Ben oui, elle a raison. Eh oui, mais oui. Mais retourne dans ton bled. Mais retourne là-bas. Eh oui. Mais au lieu de critiquer les Français et de dire des choses sur Marine. Oh, mais t'es pas content, t'es jamais content. Macron, t'es pas content. Et Sarko, t'es pas content. T'es jamais content. Non.
Il ne fallait pas venir en France, il fallait rester dans ta casbah. Enrico, Enrico! Oh, tu ouvres toujours ta gueule, oh, t'es jamais content. Oh, mais alors, il a voulu jouer, il a perdu, donc pas de plainte quand la banque n'est. Moi, je fais un crédit à la banque, eh ben, il faut pas investir. Alors. Cet argent dont, voilà, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, puis on s'en fout. Le pauvre a perdu mon pays. J'ai perdu mon pays. J'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu, quoi. Aïe, 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 et là, j'ai tout perdu. C'est une chanson qui était prémonitoire, cette chanson. Mais oui, tu sais si bien la faire pour faire pleurer dans les chaumières avec les filles de ton pays. Oh, puis les oranges en mer. Oh, mais t'es démodé, Enrico! Eh oui, Enrico, il m'a cassé la tête toute ma jeunesse. Oh, mon père, il passait le disque matin, midi et soir. Enrico, 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 Enrico. Oh, mais c'était pas possible, hein, mais moi, j'aimais pas ce bonhomme. Hein. Je préfère Annie Cordy, hein, oui. Oh, mais ils sont toujours en train de pleurnicher à 80 ans. Oh, putain. Bon, mais écoute. Hein. Mais je sais pas. Ben oui, la finance, c'est comme ça, Enrico. Écoute, Enrico, ben, tu t'es fait baiser en olivier, ou je sais pas. Eh ben, il n'y a rien d'illégal dans cette pratique pour développer un gros bénéfice à long terme. Je ne comprends pas la plupart des articles qui passent sur Facebook, c'est une prise de tête pour certains. Oh, mais Enrico, Enrico, mais qu'est-ce qui s'est passé, Enrico? C'était des propos de chacun qui. Et des guerres, tu vois, Michel, c'est Micheline qui raconte tout ça, tu vois, Micheline. Ah, mais oui, Micheline, et puis il y a Jean-Jacques. Tu vois, 5 millions pour rénover. Oui, la banque française refuse donc problème et emprunter plus de 30 millions. Faut être excusé, mais je n'ai rien compris qu'à ce qu'elle dit, la Micheline. Hein. Et puis la Claude, la Claude, je sais pas, oui, c'est la Claude, c'est barbu, tu vois, il barbu, c'est un homme. Bien fait pour sa tronche, à ce connard. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Claude, hein? Bon, et Annie, déjà ce mec est antisocial, il ne pense qu'à sa gueule, il s'est fait avoir, il a été pas le seul artiste à se faire avoir, mais bon, il a voulu cacher certaines choses en passant par la fraude. Je sais pas, moi je sais pas, Annie, je sais pas, je fais une chronique. Hein? Ben oui, non, sérieux, Enrico mais Macias, la chiasse, est victime d'un escroc. Alors, ben oui. Mais oui, Enrico, Enrico, écoute, qu'est-ce qui s'est passé, escroc, t'étais fait escroquer. C'est comme un terroriste, victime d'un attentat, Enrico, tu vois, Enrico. Tu vois la roue, elle tourne, hein? Tu vois ce que je veux dire. Hein? Bon, tu vois, tu es. Tu ben oui, tu. Mais oui, je ne veux pas dire ce que j'ai à dire, parce que après, on va dire que je vais trop loin, hein, tu comprends, et j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Si je dis tout ça, Hakim le roi, il va exploser. Mais non, mais il y en a marre. Tu pleurniches, tu pleurniches, tu pleurniches, mais écoute, Enrico, mais oui, je peux pas tout dire, c'est pas possible. Je peux faire des chroniques, mais je peux pas tout dire. C'est comme ça, parce que si je dis ce que j'ai à dire, ah, les fans de Hakim le roi seront contents, mais il y en a qui seront pas contents. Ben oui, je vais me faire des ennemis, c'est pas possible. Enrico, tu vois, à cause de toi, je ne peux pas faire de chronique intelligente. Alors, Enrico, tu vois, malheureusement, c'est comme ça, mon petit Enrico. Hein, voilà, tu vois, j'ai réussi à faire ma chronique. Tu vois, j'efface ce que j'avais à faire, parce que je marque toutes les chroniques que j'ai à faire. Oui, parce que je suis obligé. Hein, je ne fais pas les chroniques comme ça. Le sujet m'intéresse, pouf, je fais la chronique. Si ça ne m'intéresse pas, si je ne la sens pas, je ne fais pas de chronique. C'est comme ça. Hakim le Roi travaille comme ça. Ouais. Et oui, et puis il y en a qui disent, oh, mais vous allez trop loin quand même. Hein? Mais oui, mais c'est pas de ma faute. Mais c'est pas de ma faute. Un chroniqueur, il fait des chroniques. C'est comme ça. Un chroniqueur unique. Un chroniqueur fait des chroniques. Je me suis trompé. Les lunettes, ils sont en train de se casser la figure.
Eh ben oui, c'est comme ça. Mais tu vois, en ce moment, ça va mal. Tu vois, la Corée du Nord, ils vont bientôt nous exploser la gueule, là. Hein, ils sont mal. Bon, l'autre, il est complètement barjot. L'autre, le Trump, et avec sa gonzesse, elle marche sur les talons, et puis il est en train de pleuvoir, il y a l'ouragan et tout. Je pensais qu'elle allait s'envoler. L'école qui va changer. Bah, avec le ministre, t'as pas vu la gueule du ministre de l'Éducation. Oh, quelle horreur. Oh, vous avez vu, j'étais photographié avec folle. Mais c'est pas. Il sait pas que je l'ai fait une chronique sur lui. Mais non, il sait pas, il sait pas. J'ai pas dit, j'ai pas dit. Oh, puis alors le monde, selon Emmanuel Macron. Alors lui, il se prend pour Jupiter, Mars, et puis, oh, bah non, mais non, mais non, mais il y a des barjots quand même. Hein. C'est comme Louis XIV, il se prenait pour le roi Soleil. Oh, bah oui, mais des barjots de la tête. Hein. Et la Corée du Nord, mais barjots, barjots, barjots. Il n'y a que des barjots, on est envahi de barjots et tout. Mais vous trouvez ça normal, Neymar, je sais pas combien, il va toucher 125 millions ou 200 millions, 220 millions. Ben, vous croyez que c'est normal ça? Hein, vous croyez que c'est normal ça? Ben non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ben, on a commencé à en avoir marre de tous ces cons. Hein. On en a marre, on commence à en avoir ras-le-bol. Oh, le monde est fou. Allez, bye 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 b